Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne de Chimpaz. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'arbore cette magnifique moustache qui me fait ressembler à un acteur de telenovelas péruvien? La réponse, en générique. Et oui, depuis quelques mois, je laisse pousser cette wonderful moustache, si propre et bien peignée, afin de chimpaser notre ami plombier italien chevaucheur de dinosaures, Mario Bros. Bon, tout le monde connaît plus ou moins l'univers de Mario, un peu absurde mais toutefois crédible. Sauf un détail. Un Italien qui sauve une princesse, c'est assez classique. Un homme chevauchant un dinosaure, je dirais hommage à Monsieur Spielberg. Un champignon qui parle, allez donc faire un petit séjour à Sainte-Anne. Mais ceci, mesdames, messieurs, un plombier qui n'a pas d'outils, mais alors on nage en plein délit. C'est comme une raclette sans cornichon, un caramel qui ne colle pas aux dents, ou encore un coussin sans fleurs chez ta mamie. Avant de démarrer, je tiens à vous avertir que j'en ai marre des personnages tout petits, mignons, gentils, à croquer. Alors, j'ai décidé de faire un Mario. Donc pour ceux qui voulaient voir une reproduction parfaite de Mario, désolé. Bon, cette fois-ci, je vais aller très vite. Mario exige une règle que j'appellerai la MSC. Non pas la Mediterranean Shipping Company, mais plutôt la moustache salopette casquette. Attention, si l'un des éléments est manquant, ce n'est plus lui. Et vous aurez beau faire twerker votre chien ou apprendre la table de limite à un poisson rouge, cela ne fera pas avancer le schmilblick. Dernière information. N'oubliez pas que la chemise de notre José Bové italien est rouge. Ne vous amusez pas à mettre une autre couleur sous peine de recevoir une pluie de carapaces rouges qui ont mangé un maxi champi sur la tête. Mesdames et messieurs, sur ces doux et pacifiques mots, je vous invite à tailler vos crayons, vous munir de la plus soyeuse de vos feuilles et vous installer confortablement sur votre chaise. Nous allons amorcer le dessin. Monique, je t'en prie.
en présence d'un Mario prêt à foutre un gros coup de tatanas au doigt de Bowser et rouler une chaudasse galoche à cette grosse Peach. Ou l'inverse. Sur ces subtiles paroles, je vous laisse avec mon ami La Mousse qui tâche, sur laquelle vous pouvez cliquer pour vous abonner, car moi, j'ai à quoi gérer. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, car oui, je suis de retour pour de bon. Ciao, Bella!